this part is over. Salut, salut à tous, bienvenue, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on va aborder la deuxième demi-finale de la World Super League entre la Juventus et le Milan AC. Donc on a eu droit à du beau match, on a eu beaucoup de sorcellerie aussi. Alors, une seconde. Voilà. Donc on a eu droit à pas mal de sorcellerie pour la première demi-finale. J'espère que la deuxième, ça va être un peu plus nickel. Voilà. Donc je sais qu'il y a des impatients. On va tout de suite passer au tirage. Green to the world, we said we are the host to the first, third and fifth match. Ok, so let's go. Et si tu comprends pas ma English, c'est dommage. Et ça s'est joué à peu de choses, mais la Juventus a le host pour le premier, troisième et cinquième match, et le Milan AC a le host pour le deuxième et quatrième match. Alors, je l'ai pas fait. Alors, attendez, là c'est pas bon du tout. On va le refaire comme ça va être plus propre parce que vous avez rien vu du tout. C'était n'importe quoi. Voilà, donc ok, on va le refaire, on va être nickel. Attends. Ok, let's go to the roll, on y va, démarrer, ok, allez. Et le Milan AC, voilà, ok, bon là vous l'avez vu, hein, d'accord, on est bien d'accord, pas de soucis. Donc the Milan AC has the host for the first, third and the fifth match, and Juventus has the host for the second and the fourth match, ok, good luck to the two teams. Don't forget to spank into all the rules and have fun to hold the match, ok? Alors, donc rapidement, au niveau des line-up. Donc, je rappelle les line-up. Donc, on a du côté de la Juventus, nous avons Eriol, NCTS, Mokuro, Kev, Madridi. Ensuite, nous avons au niveau des transferts, j'ai vu au niveau des transferts de la Juventus, nous avons KS qui a rejoint les rangs de la Juventus. Oui, KS. Et du côté du Milan AC, nous avons Kuro qui a rejoint les rangs de Kuro pour 9,5 millions d'euros. Et l'agent Georges Mendes qui a fait un travail exceptionnel et qui a bien sûr empoché sa commission au passage. Tout va bien de ce côté-là. Ok.
Ok. Donc, maintenant que ça a été dit, nous pouvons passer au match. Alors. Donc, il va commencer dans. Ouais, parce que. Moi, je vois l'écran et pas vous, c'est dommage. Voilà. Alors, ça va commencer dans 5 minutes. Donc, avant que ça commence, je suis quand même un petit 5 minutes. Hi, Ariel. Attends, bah, je vais te remettre ça comme ça. Voilà. Comme ça, ça a été dit. Je vous laisse ça pour le moment. Attends, je ne sais pas quoi, un peu. On a pu voir quelques tests avec Zizou. Enfin, c'est plutôt Fouad qui a fait les tests. Just has. Comment dit l'appel encore? Just as he will decide, you see that the Milan C as a host for the first, third, and fifth match. And the Juventus has host for the second and the fourth match. Don't forget that the. I just did it, yes. And yes, donc. Okay, I just did it in. You can see the replay. You can see the replay after this. Sorry, my friend. You miss it. Yes. Good luck to you. Good luck to all. And have fun. I hope that RNG don't come to the party, because RNG is not just. RNG is not just. Qu'est-ce que je racontais comme bêtise avant d'essayer de parler anglais. Oui, donc je disais, j'ai pu voir quelques tests, je sais pas, on a fait, j'ai pu voir quelques tests avec Zizou. Et apparemment, c'est un peu compliqué. Après, je sais. Quand je dis compliqué, c'est de pouvoir rattraper la ligne 2 de Tsubasa, la ligne 2 à 490. Je suis pas très truc, mais à mon avis, ça doit jouer vraiment à pas beaucoup. Après voilà. Tu vois, ça, c'est un Dreamfest. C'est le Dreamfest du moment. Et donc voilà, c'est compliqué de pas le. Non. Je critique pas Zizou. Jamais de la vie. Jamais je critiquerai Zizou. Ah non, toi tu sais pas. Tu sais pas comment Zizou, c'est exceptionnel. C'est une grande marque LEZ là. Une grande marque de fabrique. Une grande marque de fabrique chez Mactius. Même si je l'ai jamais eu en plus, mais voilà. C'est pire, c'est encore pire qu'à l'époque où le décès est sorti. Je ne sais pas si tu te souviens de la hype exceptionnelle qu'il y avait et de la déconvenue absolue que j'ai eue quand je ne l'ai pas eu. Mais voilà, c'était quelque chose. Ce Zizou-là à l'époque, il était vraiment. Ah, la hype, comme elle était immense côté FR quand il est arrivé. Et ceux qui ne l'ont pas eu, comme moi, franchement, alors on était vraiment malheureux. Et mine de rien, il n'est jamais tombé, hein, ce Zizou-là. Il n'est vraiment jamais tombé. Je l'ai pas du tout dans ma box. Ok. Donc voilà. C'est, après là, ce Zizou-là. Au passage, je vais vous montrer un truc. N'allez pas le chercher. Non, je vous montre pas. Je vous montre pas comme ça, ça vous tentera pas. Ça vous tentera pas parce qu'il faut pas vous tenter sur les trucs comme ça. Non. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'on pouvait avoir Zizou autrement que par le portail. Mais ça, c'est des tickets d'escroquerie. N'allez surtout pas chercher ça. Voilà, sauf si vous avez une luck immense. N'allez pas chercher ce genre de conneries. N'allez pas. Voilà. Ça c'est le conseil qu'il ne faut pas vous donner ça. Bon, allez. Chronos qui est rentré pour le Milan AC. Donc, je vais. Attendez, je ne vous ai pas dit la line-up du Milan AC. Du Milan, donc on a Vince Gaillard, on a Chronos, on a Fakuman et on a Oster. Et Oster, je crois que c'est. C'est Chronique. Oster, je crois que c'est Chronique si je dis pas de bêtises. Salut Nash! Bonsoir à tous. Bienvenue, installez-vous. Prenez les pop-corns, prenez ce qu'il vous faut. Je pense que ça va être bien ce soir. On va être très très bien ce soir. Et vous remarquez au passage que j'ai. Ouais, c'est ce que je me dis. Auster ou Dwayne. Mais vas-y, mais eux aussi, là, ils peuvent pas se fixer sur un compte. Ouais, mais non, on sait pas si c'est Dwayne, si c'est Chronique, si c'est. Ouais, t'inquiète. On prépare les slash poulets. Les slash poulets. Les poulets, les babidis, les slash smileys.
Je vais. Faut que je trouve. Faut que je trouve un slash malice. Non, le meilleur ami de Rasta, c'est Aldo. Le meilleur ami de Rasta, c'est Aldo. Parle-lui d'Aldo, tu vas voir tout le bien qui va te. tout le bien qui va te. Qui va t'en sortir, tu vas voir. Smalice, c'est pas tranquille. je vais trouver un truc Smalice, tu vas voir. Et franchement, je vais essayer de chercher. Je vais prendre tout mon temps, je vais essayer de chercher ça. Allez. On a un petit Léo sur le côté gauche. Du côté de Kronos. Et on a pas. Ah si, on a Roberto. Il y a Roberto pour up. C'est parti. Ça fumble déjà. Ça retombe sur Ishizaki. Donc pas de soucis. Ok, on donne à Zizou qui allait chercher Roberto. Et casse. Ah ouais. Et vous avez vu la différence de stat ou pas? Regardez. Là. Rouge. Pas rouge. Rouge, pas rouge. Ok, on va voir si le double dribble va passer. Et ça part. Oh, ça fait fumble. Ça repart de l'autre côté avec Matsuyama. Ah là là, il a essayé de trouver Revolver en profondeur, ça n'est pas passé. Ishizaki a récupéré le ballon juste devant lui. Il va pouvoir se dégager. Ok, il se dégage rapidement. Ça retombe dans l'épée de Thoram. Oh, Thoram au milieu de terrain. Et le dégagement, il a fait ça. Tutu, face à Tsubasa. Ah oui, on commence, ça commence. Le poulet commence. Ça commence. Ah, le tac, mon tacle préféré. Mon tacle, avec celui de Boulak. Franchement, les deux tacles, leur animation, elle est vraiment exceptionnelle. L'animation, ces deux tacles, là, ils sont vraiment exceptionnels. Ah ouais, trop fort. Le dribble de Zinedine. La roulette exceptionnelle de Zinedine Zidane. Ok, Dananatu, non? Ouais, ok, il danse un peu encore. Dribble encore. Ça fumble. Ça retombe dans l'épée de Misaki. L'attaque n'est pas terminée pour Kronos. Misaki qui envoie directement sur la Tourezza. La Tourezza qui a 110 000. 118 000. Moi, à la place de Madridi, je suis interception. Voilà. Bien joué. Ouais, il vide la stamp de truc. Et c'est dommage. Tout ça pour aboutir à ça, c'est dommage. Ça repart de côté avec Madridi, avec Thuram. Thuram qui va aller chercher Cal sur le côté. On va aller chercher trouver Zizou. La passe normale qui passe par-dessus Cal. On a tenté la fantôme. Mais c'est bien joué. Ok, on retourne arrière. On a redonné à Zizou. Face à Tsubasa. Et face à. À Shingo. Alors, on tente la passe ou pas? On tente la passe pour aller chercher directement. Ok, full power des deux côtés. On tente la passe direct. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Mais pourquoi? Pourquoi il a. Oh là là! Il a fait intertacle. Aïe. C'est compliqué pour Kronos, hein. Son Zizou, là, il se fatigue. Hein. En plus, il est hors jeu. Aïe. Et l'interception de Rivaul. Rivaul qui fait le taf. Hein. Rivaul qui fait le taf pour le moment. 0-0 entre les deux équipes. Il y a une. Ah, c'est dommage. Il y a eu un avortement d'attaque là. Ah, les choix ne sont pas sexy. Hein. Les choix ne sont pas sexy des deux côtés. Mais attends, ce Léo là, il apporte quoi là? Je comprends pas. D'accord. Ah, il apporte 3%. Il apporte 5 à Natu. Bon, là, t'as écrit. Et en plus. Oh là, d'accord, 10%. Ah, il a un terre-retour en plus. Et 100% d'un tour d'un terre-retour. Et 80%. D'accord. Ok. Mais non, pourquoi le titre il est pas bon? Attends. Attends. Mais non, là c'est Juventus contre Milan AC.
Bah oui, c'est ce que je me disais. Liverpool-Inter, c'était tout à l'heure. Inter-Miami, pardon. Mathieu Ma qui donne Argo, qui donne Atsubi, ok, la hotline. Ok, voilà, ok, on a écarté les joueurs, ok, ça passe par-dessus, ça ne passe pas, ça fumble, ça retombe de l'épée de Natureza, fais-le reculer. Aïe, 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 c'est dommage, là, ça va être, il va falloir faire la bonne lecture pour passer. Et pourtant, il est pas sur la ligne, il est pas au niveau de la ligne. Non, je viens de regarder le live sur le truc. Sur Twitch, j'avais marqué Juventus contre le Milan. Attends, je vais regarder sur mon téléphone. Désolé si ça fait du bruit. Ok. Bon, on est d'accord. Le titre, il est bon. Ça rentre, et ça rentre, pas de souci. Pas de souci. Et Smaïs, je sais pas quel poulet t'as mangé là, mais ton poulet doit être bizarre. Parce que toi, tu vois pas bien. Tu vois pas bien, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on t'en veut pas. Ça repart, ok, Zizou qui a le ballon. Zizou qui va aller chercher Léo. Alors, lui, il a tous les uns. Ah, il est là-bas. C'est compliqué ça. Donc la passe, ça passe, pas de problème. On va aller chercher quoi, c'est pas ça? Ah, c'est dommage, il a essayé d'écarter. C'est dommage. Il a essayé d'écarter, c'est dommage. Ok, ça passe. On va aller chercher Natureza dans la profondeur. Natureza qui redonne à Tsubi, c'est bien joué. Ouf, alors attention, là il va falloir faire la bonne lecture. Alors tu tentes la N2 ou pas? Parce que la N2, Karl s'il la rattrape. Cooper, ah ouais, tire, il va tirer, je pense. T'as pas le choix. Tu es obligé de cogner. Il est obligé de cogner. Inter contre. Oh là 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 là. Le critique gold. 20K d'écart avec le critique gold. Ok, on va aller chercher Mizaki de la profondeur, chercher Natu leur jeu. Ah, ok. Trop loin, ça repart de l'autre côté. Le match va bientôt se terminer. 41e minute. 43e minute. Non, il n'aura pas le temps. Il n'aura vraiment pas le temps. Et en plus, c'est Natureza qui récupère le ballon et ça va être terminé. Ça va être terminé, la victoire de Kronos 1-0 qui permet au Milan AC de t'empocher ce premier point. Là. Et donc là, c'est à la Juve de Host. Ouais, c'est à la Juve de Host. La Juventus qui hoste le deuxième match face au Milan AC. Milan AC et Kronos qui reste pour le moment. On n'a pas de date pour la finale. Quel club va rejoindre le. Comment ça s'appelle ? Quel club va rejoindre l'Inter Miami ? Parti. C'est à Kronos de revenir. Je vais lancer.
Allez, on attend Chronos. Ok, parfait. Parfait, parfait. Perfect. Perfecto. Et reste-tu voir. Oui, oui, je me souviens de cet individu. Je m'en souviens très bien. Allez, c'est parti, deuxième match. La Juventus va-t-elle revenir au score, 73%. La Mizugi. Mizugi en qualité de boost. Et de côté, Chronos n'a pas changé. Team toujours avec Léo et Roberto. C'est parti. Engagement avec Shingo. Shingo qui redonne à... ok, ça repart du côté de Shingo. Shingo qui essaie de passer par-dessus. Ah oui, ça passe par-dessus. On a trouvé Mizugi. Ok. Attention. Ok. Ah, ah, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. On part de l'autre côté. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu passes à qui récupère le ballon 4 de la Mizugi. Mizugi qui essaie de passer par-dessus. Ça ne passe pas. Les passes ne sont pas bonnes. Il va falloir ajuster les passes. Ok, on a cherché Léo. Léo en profondeur pour chercher Roberto. Non, ça ne passe pas. Ça passe pas. C'est Cars qui récupère le ballon devant les deux joueurs. Ok, il se dégage, pas de problème. On a retrouvé Thuram. Thuram qui est au milieu de terrain. Essaie de passer par-dessus Hayato. Ça ne passe pas. Hayato qui récupère le ballon. Il y a Misaki devant lui. Essaie de passer. Ça ne passe pas. L'autre Misaki a récupéré le ballon. Et ça y est, il fonce côté droit. Misaki. Non, il a été coincé. Il n'a pas le temps de trouver une solution. C'est dommage. Ça va être compliqué. Alors, est-ce qu'il fait intertac ou pas? Ah, il n'a pas la grosse passe. Donc l'autre Misaki a la possibilité de récupérer le ballon. Ouh, c'est bien joué. C'est bien joué, le brain a bien fonctionné. Premier duel. Et on part en 1-2. Ah, il a fait double inter. Ça s'est passé. Ok. Et Sky Alpha. Et le ballon haut tout de suite de la part de Chronos. Allez, abîme. Mais abîme. Abîme. Abîme Sky Alpha. Oh. Il faut abîmer. C'est Kenzo. Abîme Sky Alpha. Ok, full power du côté de... du côté de Kivor. Attention, Kenzo. Master Catch. Le Master Catch. Il y a une chance, j'ai pas vu qu'est-ce qu'il parlait. Le Master Catch. Il fallait donner. Il fallait laisser Misaki frapper. Oh, c'est dommage. C'est dommage. J'ai pas entendu de Master Catch. Il faut le mettre Master Catch. Master Catch. Master Catch. C'est parti. Shingo qui donne à Zizou. Zizou qui repique dans l'axe. Oh, c'est quoi ce duel? Ah d'accord, il est parti chercher Yuga. Ben, en fait, ce qui est bien, moi ce que j'aime bien là, la multiplication des playmakers, ça va embrouiller Kals. Parce que là, si t'as que Rivaul, tu Kals, tu l'envoies sur un double dribble. Et voilà, Kals éliminé. Tu peux donner à Rivaul tranquille. Donc c'est soit Zizou, soit Rivaul, soit Tsubi. Tu commences à danser un peu. Ben, une deux, tu peux envoyer tranquille. Allez, une deux, c'est parti. Misaki, Tsubasa. Misaki, qui de la recueille de la Tsubasa dans la surface de réparation. C'est parti. Alors, on va tenter d'ouvrir le score après l'échec de Natuleza. Est-ce que Tsubasa Ozora va passer la muraille Genzo Wakabayashi?
28,4% Gaëtzo, Mastercard, le deuxième Mastercard. Incroyable. Ça repart de l'autre côté avec Misaki. Misaki qui a le ballon, qui est très très bas. Misaki. Misaki qui ordonne à Natureza. Natureza qui saute l'autre Misaki pour donner à Misaki. Misaki qui ordonne à Natu, qui ordonne à Zizou. Zizou qui donne à Tsubasa. Tsubasa face à l'autre. Ah, ça c'est intéressant. Donc on a 78 face à 78. Donc les mêmes trucs. Fais une 2 et fais un terre, s'il te plaît. Ah, ok. Zizou qui récupère le ballon. La récupération de Zizou. Zizou qui peut repartir. Zizou qui n'a plus beaucoup de stabs. Zizou qui donne à Tsubasa. Tsubasa qui recule. Qui est parti chercher Shingo. Ah, c'est dommage. Voilà, là, dribble. Alors, double dribble ou pas? Ok. Le premier. Et ça ne passe pas. La récupération de Tuvor. Il repart de l'autre côté pour l'instant. Tout va bien pour lui. Shingo qui va à Tsubasa qui va aller chercher Kals. Kals qui est pris. Il y a Kals et Shingo derrière, juste derrière. Alors, est-ce qu'il a la grosse inter? Non, il n'a pas la grosse inter. Donc là, 2, ça ne passe pas à l'interview. Il boule la récupération de Kals qui peut repartir de l'autre côté. Attention, il reste plus vite devant la chrono. On arrive à 38e minute. Kals, Kals essaie de passer. Oui, Zizou qui passe par-dessus Kals pour aller chercher Natureza qui est hors jeu. Oh, c'est dommage. On va arriver au-delà du temps réglementaire. Et l'arbitre va pas tarder à siffler les 90 minutes. Nous allons partir pour 30 minutes de prolongation. J'allais dire une bêtise. Non mais t'as pas la place, ça sert à rien. Bah oui, ça sert à rien. Pardon. Excusez-moi. Eh, vous imaginez la dinguerie. Ça aurait fait fumble de la mort sur un Tsubasa ou un Shibaki. Ça aurait été trop drôle. Ça aurait vraiment été trop drôle. Ah ouais. Ah, quand ça fait ça, là, ça me rend fou. Ça rend vraiment fou. Allez. Prolongation. Là, Spada, je le trouve intéressant parce que tu peux avoir le FP vraiment super vite. Ok. Il n'y a pas beaucoup de temps. Très peu de temps. Ok. C'est pas mal. Ok. Alors là, il va falloir arriver à prendre un seul duel parce que tu vas arriver entre les deux défenseurs. Non, ah, il est loin. C'est bien joué. Là, il va falloir sortir du duel. Alors, une, deux, il sera en position très intéressante. Sachant qu'il est en full power. Waouh, il n'a pas fait interception. Aïe, c'est pas bon du tout ça pour Chronos. Et là, il a une 2 de Tuvor, le brain qui a bien marché, ça a bien fonctionné du côté de Tuvor, c'est parti. Misaki dans la surface de réparation, elle élève le ballon. Allez, oh c'est un ballon bas, c'est dommage, il a le temps d'amortir. Allez, refais un. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là! Qu'est-ce qu'il a fait? Ouah, c'est de la sorcellerie, ça, mon ami.
Ça, c'est de la provocation et de la sorcellerie. Ouais, peut-être qu'il a pas pu cliquer. Je comprends, peut-être. Ouh. Ça, c'est risqué, ça. Ça, c'est très, très risqué. Parce que tu vas peut-être pas avoir le temps de tirer. Tu vas peut-être pas avoir le temps de tirer. 22. Et non. Ah, ça va être compliqué, là, de tirer. Ça va être chaud. 22. 22. Non, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Si franchement, il arrive à cogner, là, c'est mort. 47. Hein. Il est à 47. C'est mort. Oh non! Non, la dinguerie! Il était à 47! Non. Il va falloir voir le replay, là. Parce que là, non. Non. Il s'est passé quelque chose. C'est une dinguerie. Oui, c'est un miracle. Oui, je suis d'accord, c'est un miracle, c'est dingue ça. Il s'est passé quoi? Ok. Waouh, mais là c'est chaud. En fait, c'est. Ouais. C'est bon. Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce truc là. C'est presque parfait. Non, franchement, c'est dur. C'est dur. C'est vraiment très, 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 très dur. Salut, Fouette. C'est vraiment très dur pour Chrono, ça. Ah ouais. Regarde, il a 15,05. Mais non, il y a un problème. Non, faut m'expliquer. Il y a... Non. Non, attendez. Bon, ok, la victoire, il n'y a pas de problème. Victoire de Tudor, donc qui permet à la Juve de revenir à un partout. Mais ah non, ça, la source, et le niveau de sorcellerie, il est immense. C'est chaud là ce qui vient de se passer. Ok. Allez, c'est parti. Non, il faut que je vois ce replay là. C'est incroyable. C'est incroyable. Non. Attends, appuie là. Alors, coupe le son. C'est ça, voilà. Alors, en attendant qu'il arrive, on a un petit moment avant qu'il arrive. Est-ce que j'ai le temps de voir ça? Donc c'est la première prolongation. Ouh, attendez. Ok, on est à... D'accord, c'est bon, j'y suis. C'est peut-être moi qui ai mal vu. Moi qui ai mal vu ou il était à 23? Non, il était bien à 24. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, bon, c'est pas grave. Là, c'est au Milan de Host. Hein. C'est au Milan de Host, ok. C'est Koro qui vient s'avancer pour aller défier le grand sorcier Tudor. Tudor, pardon. Ok, 20, il a 24-47. Ah oui, c'est pris The World, là. Ça fait longtemps que je l'ai... Ah ouais, non. Non, franchement, la ref elle est super. Franchement, la référence, elle est vraiment géniale. Ah ouais, c'est une dinguerie, ça. D'accord, il y a 22, 23, 24. Ah oui, les décalages de coups là, non. C'est quand même chaud. Waouh. Attends, il y a un problème. Non, c'est pas bon.
Ok, bon. Non, il faut que Koro, il faut que tu sortes de la room. Ouais, ok, ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, bouge plus, bouge plus. Bouge plus, bouge plus. Tout va bien. On peut pas avoir à lancer le match, hein. On sait jamais. Ah ouais, c'est une dinguerie ce qu'on a vu. Ah ouais, c'est... Ah, le décalage du temps, là, on l'avait jamais fait, celle-là. On l'avait vraiment jamais fait. Allez, c'est parti. Envoyez le match, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok, 4, 1, 2, 3, 77, gros. Ok. Ah, il n'y a pas Zizou. Il n'y a pas Zizou, gros. Ou t'as pas encore poule. Allez, c'est parti. Match envoyé. Rivaou qui a le ballon. Il est allé chercher immédiatement le duel avec Gojiro Yuga. Et Kals qui est venu se joindre à la danse. Alors, est-ce que le double dribble passe? Ok. On donne à Zizou, Zizou qui est parti chercher Nita et Kals. Mais attendez. Vous avez tous vu ce que j'ai vu ou pas? Vous avez tous vu ce que j'ai vu ou pas? Ah ouais, hey, Koro, tu nous sors des trucs comme ça. Eh ben putain. Ah ouais, tout le monde plonge de la sorcellerie maintenant. C'est grave. Tsubasa qui a le ballon. Tsubasa. C'est dommage. Ça passe. Mizugi? Ah dommage. Dommage. Ah, il serait peut-être temps de te faire remplacer. Ah, j'adore. Bon, allez, normalement, Thuram récupère le ballon. Ok, la récupération de Tutu. Il va pouvoir se relancer, ça repart avec, le Thuram de Tuvor. Attention, ok, on a trouvé Misaki sur le côté gauche. Il allait chercher Natureza qui essaie de chercher, et qui essaie de chercher Shingo qui n'est pas réussi à passer par-dessus. Rivaul, ça repart de l'autre côté. Ok, Natureza. Oh là là, il s'est planté. Oh là là, oh, je l'ai vu venir de tellement loin. Je l'ai vu venir de tellement loin. Le je me plante de trucs. Oh là là. Oh là, Thuram. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait avec... Oh là, qu'est-ce qu'il a fait avec Tutu. Oh là là, mais non. Pas toi, Thuram. Pas toi, Tutu. Pas après tout ce que tu as fait. Oh, c'est terrible. Oh, c'est vraiment terrible. Oh, le Master Cache. C'est le troisième Master Cache de Tuvor. Le troisième Master Cache de Tuvor de Marpati. Ça repart avec Mizugi. Mizugi qui redonne à Misaki. Et c'est la fin de la première mi-temps. C'est le contre-coup. Hein. Le contre-coup de la sorcellerie du tacle de Nita. C'est le contre-coup. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. C'est dommage pour courir. Allez, il faut pas que tu lâches l'affaire. Faut surtout pas que tu lâches l'affaire. Et il y aura moyen de gagner. En tout cas, pour l'instant, tu vois, il est porté par la chance. Donc, tu vois bien de son côté aussi. Ah, le poulailler, il est exceptionnel.
On a rajouté du boost et du boost au niveau du footballeur. Ça repart avec Tsubasa. Tsubasa qui donne à Hidolashinko, qui donne à Kals. Kals, ok, on essaie de changer de côté. Ça retombe sur Marcelo. Marcelo qui donne à Misaki. Misaki de retour à la profondeur pour aller chercher Bizugi. Et Bizugi coincé. Bon, ok, pas de problème. On contre un T. Ah, il a pas de contre. Bon, vas-y, interception. Eh, franchement, c'est un saut, c'est que des souvenirs. Attends, je vais baisser un peu. Ok, chercher Nita. Nita face à Marcelo. Ça va être compliqué de passer là. Est-ce que la bonne lecture va suffire ou pas? Est-ce que l'avantage couleur va suffire ou pas? Est-ce que le full power va suffire? Nita. Et ça passe! Ça passe pour Nita! Nita 100%, ça passe! Oh, c'est dommage, c'est dommage. Ça repart avec Espada sur le côté gauche. Espada qui repique dans l'axe pour aller chercher la tour. Non, il va chercher Mizugi encore. Et non, ça passe pas. Ça passe pas. Ah, il joue avec iPad lui. Ah, pour avoir des passes précises comme ça. Ok, avec Shingo par-dessus Misaki pour aller chercher Tsubasa par-dessus Marcelo. Ça ne le passe pas. Marcelo qui a l'auto inter. Ça retombe sur Marcelo qui va pouvoir se relancer. Marcelo qui était très loin avec le full power. C'est parti. Le full power côté gauche. Il replie des glaces. Non, il va aller chercher encore Misaki sur le côté gauche. Il va encore chercher Mizugi qui essaie de se te passe. Non, ça ne passe pas. C'est dommage pour un stock Koro qui fait des bêtises. Koro qui fait des bêtises. Ça repart de côté. 42e minute. Est-ce qu'on aura le temps de faire quelque chose? Non. Ah, Koro, faut être plus précis. Faut être plus précis, Koro. Pour l'instant, tu vois, il n'a pas trop de solutions. Il pique toujours de le côté. Il faut qu'il essaie de passer de l'autre côté pour trouver quelque chose de plus intéressant. Bref, ça repart de l'autre côté avec Rivaul. On en ajoute très très vite. Pas de. Comment ça s'appelle Pas de. Pas de changement. Pas de changement des deux côtés. Weyron. Il va perdre la stam, c'est dommage. 2,5% de chance. Oh là là. Mais non. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie absolue. Oh là là. Non, c'est grave. C'est très très grave. On a entendu full power. Il n'y a pas le choix. Quoi. 31,35,1% de chance. Il a tapé. Incroyable, il a tapé. Ça retombe sur Espadas. Et c'est pas possible. Et la récupération de Mizugi. Mizugi qui récupère le ballon, il va pouvoir se relancer. Est-ce qu'il aura le temps? Non, il n'aura pas le temps. C'est terminé. Ça repart de l'autre côté avec Tuva. Et d'un tour et de ça. Et Koro, il peut s'en vouloir. Il peut vraiment s'en vouloir. Ça repart de côté avec Tsubasa. Tsubasa qui a le ballon, qui essaie de repiquer côté gauche. Oui, ça passe par-dessus. Côté droit, pardon. Ça passe par-dessus Christensen pour toucher les Zizou. Attention, full power du côté de Tuva. C'est parti. Zizou qui essaie de passer par-dessus. Oui, ça passe par-dessus. Par-dessus Rivaldo pour retoucher Tsubasa. Tsubasa qui repique dans l'est pour donner à Shingo par-dessus. Tsubasa pour aller chercher Mizugi. Mizugi repique en arrière pour aller chercher Misaki. Ça passe par-dessus, passe casse pour retrouver Misaki encore, une dure entre Misaki et Mizugi. Ok, se faire rattraper par les deux, ça va être compliqué. On a la 14e minute, on va probablement se diriger vers les pénalties, sauf un coup extraordinaire de poulet. Attention, ok, full power du côté Koro. Est-ce qu'on va pouvoir passer? Non, ça n'est pas sûr. Ok, il essaie de... Ok, la une, deux. Est-ce que Shingo va rattraper? Oh là là, c'est incroyable. Oh là là, c'est dingue. C'est dingue. Oh là là. Non, c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue, il ne reste que Morizaki. 18e minute de la deuxième prolongation. Natureza a le ballon. C'est un Christic Silver. Sacré Tixiver, Morizaki, le dernier rempart, il a déjà sorti un miracle, est-ce qu'il va en sortir un deuxième? Morizaki est devant! Morizaki! Oh là là, ça rentre! Et ça rentre, c'est grave! Oh là là, ce jeu, c'est incroyable! Oh là là! C'est vraiment terrible! Ah, c'est terrible!
C'est vraiment terrible. C'est terrible. Et tu vois qu'il continue son chemin. Et tu vois qu'il continue ce chemin qui permet à la Juventus de revenir, de passer devant 2-1 pour la Juve. Non, ce coup de sort, il est incroyable. Il est incroyable. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est chaud. C'est très dur, mais c'est pas terminé. Il faut repartir à l'attaque pour. Pour le Milan AC. Allez, c'est parti, il faut pas lâcher l'affaire. La Juventus est devant pour le moment. Ils sont bien partis. Enfin, bien partis. 2-1, c'est court, mais ils sont bien partis pour aller en finale. Là, il y a le. On peut avoir l'avantage psychologique et il y a le poulailler. Le poulailler est du côté de. Et du côté de la Juve pour le moment. C'est dur. Mais après, en fait, je vais dire un truc. C'est très dur parce que quand il y a des actions comme ça, tu vois, tu te loupes sur un truc. Et après, t'as un petit coup du sort sur un. Quand t'as un dernier ballon, là, t'es en défense, t'es pas serein. T'es vraiment pas serein. Tu te dis non, il va y avoir un RNG, un truc. Et là, boum, là tu prends. Non, hey, franchement, Goro, je suis désolé pour toi, frère. Je suis désolé pour toi. Mais c'est dur. C'est vraiment dur. Là, c'est dur. Après, je vais essayer d'être. Comment on appelle ça? D'être neutre. Enfin, pas neutre, mais il y a un autre mot, mais j'ai oublié le mot. Mais en fait. Les attaques que t'as loupées, franchement, ça aussi, c'est frustrant. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Quand il est derrière, c'est passé. Et quand il est devant, ça rentre. C'est ce que Murizaki l'a fait. Et ça, c'est dur. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais je comprends. Mais en fait, là, c'est dur, ça... Ah, ça énerve. Je te jure que je te comprends. Quand t'es énervé comme ça, tu vois, ça passe pour lui et pour toi, tu te fais chier, ça passe pas. Ah, les nerfs, ils montent, là. C'est ça, la température, elle monte, là. Le curseur de la nervosité, il monte, là. Ah, ça... Ah, t'as le seum. T'as le seum, des fois. Ah non, moi je peux pas parler parce que... Moi, quand je m'énerve comme ça, non, c'est mort. Après, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Moi, je me connais en rock. Quand je commence à enchaîner des matchs RNG comme ça, ça commence à m'énerver. Ça m'énerve très, très vite. Parce que je sais qu'au prochain match, je vais le prendre encore. Et au prochain, je vais le prendre encore. Enfin, bref. Bon, allez. Allez. L'avantage psychologique est du côté de la Juventus. Il faut absolument pas que le Milan AC se laisse avoir. Allez, ça repart. Allez, tu vois qu'il y a le ballon avec Zizou. Zizou qui a changé de côté, hein, je crois. Ah non, il n'a pas changé de côté. Ok, ça repart. Ok, Shingo. Ok, ça danse un peu. Attention. Ok, ça passe. On va trouver Tsubasa. Tsubasa face à Hayato et face à Shingo. Ok. Shingo est bien placé pour pouvoir récupérer le ballon. Il a la grosse inter ou pas? Ah, il n'a pas la grosse inter. Ça, c'est Baigis, ça. Non? Je veux un compte. Vois avec... comment il s'appelle? Ça fumble, ça retombe des épées de... Oh là là. Oh là là, le marabout exceptionnel. Le marabout est exceptionnel. Ah, c'est dommage. Ah, ça, c'est un calce qui est gâché, ça. C'est un calce qui est gâché. Ah, c'est dommage. T'as les gars, je veux un compte. Vois avec... je crois que c'est Zanetti, je crois. Zanetti, il a des bons plans. Enfin, il a des plans. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont un petit peu moins. Mais il a des plans. Ok, la récupération de calce. Casse, qui peut se relancer. Il a trouvé Thuram pour aller chercher Misaki. Ok, on repasse par Kals. Attention. Là, il va falloir faire la bonne lecture. C'est un critique au RFP ou pas, ça? Non, c'est un critique au respect, on est d'accord. C'est un critique au respect. Mais vous avez... Eh, demande à Zanetti.
Demande à Zanetti. Zanetti pourra te dire des trucs. Après, qu'est-ce qui est méta? Je sais pas. On voit ça tout à l'heure. On en discute tout à l'heure. Mais vois avec, avec tous les escrocs qui se promènent là. Ils vont te dire. Bon, Zizou face à Ayato. Ayato, il va falloir qu'il fasse sa bonne lecture aussi. Ça passe pour Zinedine Zidane qui dribble dans la surface de réparation. Et là, full power. Non, pas de full power. C'est bien joué ça. C'est bien joué, la passe est bonne. Ok, on va pouvoir aller chercher Tsubasa. Ouais, on va chercher Tsubasa tout en bas. Et Shingo qui récupère le ballon. Et pourra se relancer sur Misaki. On va arriver à la fin de la première mi-temps. Il s'en sort très bien. Il s'en sort vraiment très bien. Là, je suis en soirée, mais j'ai de plus en plus envie de rejouer. Ah ouais, ça te manque? Bon, bah vas-y, oui, il n'y a pas de problème. Après, non, mais il y a moyen de choper un compte intéressant. J'ai vu un super compte qui est passé il n'y a pas longtemps, là. Après, les prix sont entre, allez, je crois que c'est 90 et 100, 120, je crois, 130. 4, ouais, non, allez, 140, je pense. Avec 90 et 140, tu peux avoir un compte bien. Mais après, voilà, il faut être patient, faut trouver les bons comptes. Les comptes avec des DB et les persos méta, et puis là, t'es tranquille. C'est quasiment la même team, hein, sauf qu'il n'y a pas Zizou. L'ambiance, elle est tournée. En plus, il y a la NCS bientôt. Là. La NCS, à la fin du mois, elle va commencer. Hein, dans une semaine. Dans une semaine, n'attardez pas pour vos inscriptions. Et des vraies inscriptions, hein, pas des escroqueries. Hein. Bon, allez. Ça discute beaucoup là dans les vestiaires. Est-ce qu'on va changer du monde ou pas? Marcelo qui rentre pour donner du boost à Napoleta. C'est parti. Deuxième mi-temps, Mizugi. Mizugi qui va sur la dernière arrive à Wig. Ok, il a donné le boost. Il va te donner un casque qui donne à Misaki. Ok, on essaie de changer de côté, de trouver une solution. Ok, c'est pas mal. Ah, ça passe pas. C'est dommage. C'est bien tenté. Ok, il faut pouvoir pour tu le voir. C'est parti, Tsubasa. Tsubasa qui est... Ouh. Il aurait dû garder le ballon. Après, il sait qu'il aurait eu casse. Donc il a tenté le duel solo. Tant que la N2, ça passera pas. La récupération pour Shingo, ça repart de l'autre côté. Shingo, il y a Rivao, il y a Mizugi. Non, il garde le ballon avec Rivao. Ok. Vas-y, bonne soirée les gars, amuse-toi bien. Merci beaucoup. Ok, la récupération de Shingo qui repart côté droit. Shingo, il y a Ayato dans le coin. Toram. Yuga face à Toram. Le RP. Eh, le RP, il est magnifique. Incroyable, ça repart de côté, Turam, il essaie de passer par-dessus Tsubasa, ça passe par-dessus Tsubasa, on va aller chercher Yuga qui donne à Roberto qui donne à Tsubasa, face à Zidane. Alors, là, ça va être intéressant. Il y a interception intelligente? Oui, il l'a. Interception 470, il l'a. Et voilà, ça passe pas. Vous avez vu, il a récupéré le ballon. Ça repart, Zizou. Et fin de la deuxième mi-temps, on part en prolongation.
Zizou qui a récupéré le ballon face à la U2. Mais c'est la Golden Duo qu'il avait ou pas? Ah, c'est la Golden Duo. Attends. Non, c'est pas là que je regarde. Je vais regarder en voir. Ouais, c'est la Golden Duo. Non, faut voir la U2 à 490. La U2 normale, il la récupère. La U2 à 490, c'est autre chose. Mais ça s'est pas joué à grand chose. J'ai vu les chiffres rapidement. Mais ça s'est pas joué à genre à 50-15. C'est vraiment pas joué à grand chose. Donc c'est possible que la U2 de la 490, elle passe par-dessus cette de Zizou. La terre de Zizou. Ce serait dommage, mais bon. Ce serait quand même un petit poil. Je dis un petit poil abusé qu'un perso 3% il récupère sur la Gamefest. Quand même. Un petit peu de dignité quand même. Après, voilà, il y a le monstre tutu. En tout cas, l'équipe de France, là, entre Thuram et Zidane, ça va. Hein. Ça va, ça bloque bien les escrocs de la japonaise. Allez. Il ne manque plus que Piel. Que Piel peut faire le taf. Et ce serait exceptionnel. Exceptionnel. Ok, on fait rentrer les boosts pour le FP. En prolongation. Tout va se jouer sur le bon déclenchement du FP. Mizuki. Mizuki. Mizuki qui donne à Tsubasa. Tsubasa qui va aller chercher directement. Misaki. D'accord. Pour l'instant, pas de FP. Ok, la passe. On va aller chercher directement Natureza dans la profondeur. Et ça passe tout le monde. Ça passe tout le monde. Natureza qui n'est pas en jeu. Natureza. Natureza. On a, il y a du full power dans l'air. Il y a du full power dans l'air. Et il a le full power également. Oui, ça, c'est tout à fait normal. Morizaki qui est devant. Il est devant de pas mal, Morizaki. La claquette de Morizaki, ça retombe sur Tsubasa. Ça repart de l'autre côté. 10e minute. Tsubasa qui va chercher Roberto, qui va chercher Shingo, qui va chercher. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il manquait un petit poil de temps. Il manquait un petit poil de temps. Ça repart de l'autre côté. C'est pas grave. Misaki. Allez, il faut passer ça, patron. Du côté de l'Inter 2000, du Milan, c'est pardon. M'en veuillez pas. Je sais qu'il y en a qui vont se lever là. Calmez-vous. Non. Laissez-moi tranquille. Eh, si tu veux pas te faire avoir, dribble. Ah d'accord, ok. D'accord. Ok, la bonne lecture. On va aller chercher Misaki. Misaki qui va passer par-dessus l'autre Misaki. Ok, c'est bien joué. On a réussi à le griser quand même. Il a essayé de le déplacer. Ok, c'est bien joué. Il est parti retrouver Tsubasa. Ah, il n'a pas la passe en voile, c'est dommage. Tu dribbles et tu vas chercher Mizuki dans la profondeur. Oh, mais non. Oh, c'est dommage, ça passe pas. La récupération de Tsubasa, attention à la contre-attaque. 9e minute, Tsubasa. Pierre Ayarvo va pas chercher Misaki. Oh là là, il va taper la N2. Il va taper la N2, il va se retrouver ici à peu près. Il n'y aura que Shingo pour bloquer. Ok, la passe. Oh là là! Oh là là! Oh, Mizuki, 19,2%! Et c'est dommage, on n'a pas le temps. On part en pénalty. Pardon. Allez, prenez un coup de stress là. Faites-les les pénaltys là. Non, ils vont laisser jouer le bot. Il va laisser jouer le bot. Vous êtes nuls. Montrez vos coronesses là, bordel. Montrez-vous colores. Oh là là. Et Kenzo qui stoppe ce ballon. Le Milan AC qui se retrouve dans une mauvaise position. Morisa qui doit faire le travail. C'est bien joué de la part de Morizaki. Il remet les deux équipes. Ah non, peut-être les deux équipes. Il va falloir que Tsubasa marque absolument. Tsubasa doit marquer. Genzo doit l'arrêter. Et là, la petite paneka de Tsubasa qui permet au Milan AC de revenir à égalité. Un partout pour le moment. Tsubasa face à Morizaki. Morizaki va-t-il refaire l'exploit de tout à l'heure?
Borisaki. Et non, l'autre Tsubasa qui tire tout droit également. Rivaul. Rivaul face à Genzo Wakabayashi. Rivaul. Genzo. Et Genzo qui plonge du beau côté. Et ça fait poteau. Et ça tape le poteau. Et ça rentre. Il va falloir que la Juventus marque. Que le Milan AC marque. Oh là 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 là. Genzo qui plonge du beau côté encore une fois. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Tu vois qui continue. Tu vois qui continue. Le Milan AC qui a bien commencé. Qui avait bien commencé. Mais la Juventus est repassée devant et fait le break. Je vais tout ce qui est bien parti pour rejoindre l'Inter Miami en finale. Là, c'est à... Ouais, c'est au Milan de Host, ok. Oui, 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 il avait host, oui. Oui, bien vu, vite. Je me suis perdu aussi. Ok. Allez, c'est parti. Le Milan AC, qui est représenté par Vince. Il doit absolument remonter. Allez, tu vois, on doit revenir. C'est pas fini, tu vois. Bon, il fait quoi là? Ok, le voilà. Ah oui, c'est... Non, ce soir-là, c'est... Ah oui, c'est niveau Smiley, ça. C'est niveau Smiley, ça, ce soir. Smiley, il a la grande, grande concurrence. La Turquie, là, ça va être chaud, là, pour la NCS. Le grand, grand niveau de sorcellerie que tu vois, là. Espalis, depuis qu'il y a de la sorcellerie, ton nom il va toujours ressortir. le gros sorcier Dumbledore, frère. Allez, Vince qui a choisi, pour, qui a choisi ce Léo là aussi. Léo qui donne 5% à Mathieu. Ah, ah oui, à Mathieu Edza. Oh, on n'a pas de problème, Espalis. On sait que. Bonne de baleine. Allez. Allez, engagement de Vince, c'est parti. Vince, avec les couleurs du Paris Saint-Germain, s'envoie directement sur Misaki. Misaki face à Mizugi. Misaki, il n'a pas la passe en vol. Elle est importante, la passe en vol. Le créateur. Le créateur de la magie. Ok, on va changer de côté. On va aller chercher Ishizaki. Non, on va chercher Zizou. Zizou, Zizou qui se promène un peu. Ah! Zizou qui a pris deux bleus. Il va falloir faire attention, on va savoir comment joue Zizou. Je parle pour moi. Je parle pour moi. Là. En fait, en vous regardant jouer, ça fait travailler mon esprit. Allez. C'est parti. Zinedine Zidane. La première roulette. Et ça passe pas. Il passe pas Natureza. Ça ne passe pas, ça repart de l'autre côté. Natureza, ok. Oh, c'est quoi cette passe?
On a trouvé Misaki. Line 2. Le petit critique au RFP. Le petit critique au RFP qui permet à Misaki d'arriver à sa place de réparation. Il a loupé son autopasse. Alors. Il va retenter la 1-2 ou pas? Parce que là, s'il retente la 1-2, il est free. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas le tacle supersonique de Shingo. Ah oui, ça repart de l'autre côté. Shingo qui va trouver Tsubasa. Tsubasa qui est entouré de monde. Ah là là, c'est dommage. Tac. Ouais. C'était compliqué. Ok, tente. Ouh, l'erreur du côté de Tuvor. Tsubasa qui continue sa progression. Tsubasa, ok. Parfait. Ah, c'est dommage. L'intervention de Kals. Alors, attention. On va voir comment ça va se passer avec Rivaul. Le dribble de Rivaul. Ça fumble. Oh, ça faute. Carton jaune pour Zinedine Zidane. Il a essayé de donner un coup de tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Zizou, il a essayé de donner un coup de tête. Il a fait un tac de la tête. C'est pas passé. Allez, c'est parti. La passe de Zizou. Directement sur Natureza. Ok, full power du côté de tu vois. 21, oh là, ça suffit. Ça retombe sur Tsubasa, ce n'est pas terminé. Tsubasa, c'est encore mieux. Le full power du côté de Vince. Alors, est-ce qu'on peut parler là de fumble de la mort? Parce qu'en fait, ça arrive très souvent. Natureza qui tape le ballon, ça passe pas et ça retombe sur Tsubasa. C'est vraiment terrible pour tu vois, mais attention, et ça rentre, et c'est facile, pas de Masterclass, ça rentre, but de vie sur 4e minute de jeu. Mais c'est chaud quand même, c'est, le fumble, il est bien tombé, mais il n'y aura pas dû avoir eu contre. Voilà, allez, ok, Zizou qui passe par-dessus Natureza pour donner à Tsubasa qui a changé côté avec Misaki, Ouh, ça c'est pas bon ça. Alors, qu'est-ce qu'on tente là? On tente la ligne 2, ça me paraît compliqué. Ah, il va s'embourber là. Ah, il va s'embourber dans les problèmes. Il risque de s'embourber dans les problèmes. Il y a de l'auto-inter. Ah, c'est vraiment compliqué la vie. C'est dommage de la part de Tuvor. Mais le Milan AC qui pour l'instant mène 1-0. Vince a fait le taf. Hein. Pour l'instant, Vince a fait le taf. Il n'a pas été chanceux sur la retour de Natureza, mais Tsubasa, il a repris derrière. Voilà, il a fait le travail. Donc tout va bien. Carton jaune à deux Zinedine. Ça fait longtemps que j'ai pas vu carton. Je sais pas pour vous, mais ça fait un bon moment que j'ai pas vu carton. Ok, on joue le full power côté tu vois. Pardon, excusez-moi. Tsubasa qui donne à Zizou. Zizou qui redonne à Tubi, qui redonne à Misaki, Mizugi, qui redonne à Misaki. Ok, on danse un peu, on a fini par trouver Zizou. Zizou qui fonce sur Misaki. Je crois qu'il est hors jeu en haut. Ok, là il n'est pas. 15,6% de chance de Misaki de récupérer le ballon. Non, il ne récupère pas. Il va aller chercher Natureza direct. Natureza. Et Natureza qui est tout seul. Alors, Natureza, Tsubasa. Il est où Tsubasa? Tsubasa, il est là. Mais. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Là.
Pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi il a fait ça? Ça rame là. Ça rame pas mal. Je sais pas ce qui se passe, mais ça rame un peu. Bon. C'est pas grave. Ok. Wow. Est-ce que la chance aurait changé de camp? Oh, c'est bien joué le duel solo. Le duel solo, c'est vraiment bien joué. Est-ce que la chance aurait changé de camp? Full power du côté de Vince. Full power également du côté de Tuvor. On part en dribble. Non, il part en N2. Ça fumble, ça retourne vers le pectoral. L'attaque est avortée, ça repart avec la Juventus, avec Turam, Turam qui donne à Misaki, qui redonne à Turam, qui donne à Shinbo, qui donne à Tsubasa. Tsubasa face à Misaki. Ouh. Oh là là, ça fumble, ça retombe dans les pieds de Zizou. C'est pas terminé. Zizou, 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 Zizou. Zizou qui s'est passé par-dessus Toram, ça passe pas de toi à terre. Ça retombe dans les pieds de Mizugi. C'est un fumble de la mort, Mizugi, 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 Mizugi. Oh là 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 là, Mizugi. Mizugi qui va voir Adonana Tourenza qui est absolument seul. Le critique Rainbow. Ouais, il n'a plus de football, d'accord. 46e minute. Alors, comment il va danser? Il va chercher Tsubasa. Oh, c'est bien joué. C'est très très bien joué de la part de Vince. Et là, il va falloir faire la bonne lecture. Et là, alors, 400. Alors, là, il a 300. 300, donc ça enlève 4, ça enlève. Il lui reste 400, il va pas pouvoir tirer le but. Mais non! Mais non! Il ne pouvait pas faire la N2, il n'aura pas eu un système! Et voilà, il s'est fait avoir. Et il s'est fait avoir. Et c'est terminé! C'est terminé! C'est terminé! C'est terminé! C'est terminé! C'est fini, c'est fini, c'est fini! C'est fini! C'est fini, c'est fini! C'est fini, j'ai dit! C'est fini, c'est fini! C'est fini! C'est fini. Et la victoire de Vince. Vince qui a réussi à sortir Tuvor. Et il reprend l'avantage. Et il reprend l'avantage. Et il va devoir se sortir. Il va devoir sortir les tripes parce qu'il a du travail. Il a du travail, Vince. Le Milan AC qui revient à 3-2. La Juventus qui mène toujours. Et qui veut aller en finale. Le poulet. Le poulet! Ouais, ça rame un peu. Ça rame un peu, il y a eu une seconde de latence. Ok, Vince qui est rentré. Christer. Ça c'est qui ça? Est-ce que c'est pas. Non. J'allais dire Miguel, mais c'est pas Miguel. Je voulais faire un truc intéressant. C'était quoi? J'ai pas.
perdu mon fil. J'avais fait un truc bien, j'ai perdu mon fil. Ah oui, là, ça y est, je me suis fait. Alors, là on est la Juventus. Hein. Allez, faut pas qu'il perde trop de temps là. Ah, c'est un bon bloqueur, c'est soit Kev. Kev ou NCTS. Ah non, ils ont d'autres joueurs encore. La Juventus. Ils ont pris qui au passage? Ah, ils ont pris KS. Et ils ont pris KS et. C'est tout, je crois. Donc KS, ah d'accord. Donc on m'a dit Riol et CTS Norby, tu vois. D'accord. Bon, vous me direz qui c'est au passage, c'est pas grave. Allez, engagement, c'est parti. Engagement de la Juventus. Ok, passe du côté de Misaki, ok. Voilà, laisse-le, voilà. Fais les danser un peu. Oh l'erreur! Oh l'erreur! L'erreur! Ça va pas, c'est bien joué ça. C'est très bien joué la passe, la petite table, la direct de Léo en direction de Zidane. Zidane face à Tsubasa. Et face à Katz. Ok. Ça passe. Ça ne passe pas Katz. Ça passe pas Katz. Katz qui récupère le ballon. Kaz qui est très très haut, qui va pouvoir donner à Rival, Rival face à Natuleta. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant à faire? Ok, ouais, dribbler, ouais, dribbler, conserver le ballon. Séquence de conservation. Ok, ah, c'est dommage, il est parti s'embourber. Tu vois, c'est ça, le problème avec, quand t'as des plots comme ça, il faut en permanence que tu penses à les envoyer promener. Double drip de Rivaul. Ok, double drip de Rivaul. Rivaul qui continue son petit festival au milieu de terrain. Qui a donné à Misaki. Misaki face à l'autre Misaki et face à Kals. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et double simili plus le plus la outline. Mais malgré ça, ça ne passe pas Kals. Ça ne passe pas Kals. Kals qui récupère le ballon, il va pouvoir donner à Zinedine. Ok, ça passe par-dessus, non, ça essaie de passer par-dessus, ah, Ayatou, ça ne passe pas. Tsubasa qui récupère ce ballon fou, côté gauche, il y a déjà Natureza, mais Natureza est en jeu. Natureza qui est en jeu. On va repartir avec un défenseur. Pardon, je baisse le son. Shingo. Alors, où est-ce qu'ils vont envoyer Shingo? Il peut envoyer ici. Eh, c'est une dinguerie. Mais pourquoi j'arrive jamais à faire ça en match? À deviner ce que les gens y pensent. C'est vraiment dingue. Alors, est-ce qu'on va tenter la passe en retourné acrobatique? Ou la 1-2? La 1-2, il va se retrouver ici. 1-2? Non? Ok, drip, parfait. Ok, Misaki. Misaki face à Ayato. Il dribble encore, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, la récupération de Ayato. On part de l'autre côté. Ayato qui donne à Tsubi, qui a retrouvé Natureza. Natureza face à Kals. Duel de bonne lecture. Dribble ou passe, alors. Je fais interception. Oh, c'est bien joué. C'est bien, mais c'est Tsubasa qui récupère le ballon. Parce que... Quoi? Non, arrêtez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non. Je suis pas d'accord. Je veux bien que qu'il avait l'avantage, il n'y a pas de problème. Mais vous avez vu la téléportation du Tsubi là? Ouah, c'est une dinguerie!
C'est une dinguerie. Non, 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 attendez, attendez. Vas-y, tire, tire. Ok, regardez, regardez. Le tube, il était là, là. Il était là. Il s'était planté, il planté là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ça sert à rien de faire ça. On est au-delà du temps réglementaire. Bah oui, code, mon ami. T'es à la 46e minute, tu fais encore ça. Ça sert à rien. Je suis plein d'écran vert. Ok, d'accord. Oh là là, le but de Time Attack. Oh, le but de Time Attack. Le but de Time Attack. Oui? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok, pas de problème. Mais en fait, c'est qui en fait? C'est ça que j'aimerais savoir. Moi, alors attendez, je vais vous expliquer parce que je viens de recevoir l'info. En fait, le joueur qui était en train de jouer là, apparemment, il n'était pas inscrit. D'accord? Il n'est pas inscrit. Et tout joueur qui n'est pas inscrit, c'est fini. Il n'y a pas de discussion, il sort. Point. Donc l'arbitre a décidé. L'arbitre a décidé. Terminé. Fin de l'histoire. Pas de discussion. Il sort. Donc. Moi, j'aimerais bien savoir qui c'est, en fait. C'est qui, en fait? Pourquoi on voit toujours les matchs? Ah oui, en fait, il est resté, maintenant. D'accord, bon, je ne vais pas poser de questions, ça a été décidé, il n'y a pas de souci. Mais moi, en fait, j'aimerais bien savoir qui c'est, mais je comprends pas, en fait, le délire. Bon, vas-y, vas-y. Vas-y, je ne vais pas poser de questions. Hop, voilà. On sort, on sort, on sort. On sort, ça a été décidé. Vous savez très bien que on ne discute pas le. On ne discute pas les décisions arbitrales. Alors, Ariel, just read the Discord, please. Stop the match. Donc je recommence. Mais en fait, il n'y a pas de. En fait, tu recommences pas, en fait, Vince. Tu recommences pas, en fait, tu continues, en fait. Ouais, livre. Ok, bon. On va devoir patienter un petit moment, le temps que toutes les démarches administratives se fassent, d'accord? Ok, donc, il va falloir patienter un petit moment, ok? Le temps que ça discute entre arbitre et capitaine. Voilà. Donc, vous ne prenez pas la tête. On va attendre un petit moment. Mais c'est qui en fait? Attends. On va en chercher. Alors, transfert Windows value. La Juventus. C'est transfert market, je crois, c'est ça. Hein. La Juventus. On va chercher la Juventus. La Juventus.
Juventus, la Juventus, 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 Juventus. Alors attends, c'est dans les messages épinglés ça. Voilà. Benfica, International, le Real, le Milan et Arsenal. D'accord. Donc il n'y a pas eu première période de mercato. Ok. Et la deuxième. Alors là, il y a KS. D'accord. Le KS, et c'est tout en fait. Ok. Passez un petit moment, vous inquiétez pas, je vous mets en musique. Je mets de la musique un petit peu en attendant. Le temps que tout revienne de l'ordre. D'accord? N'allez pas loin, tout va bien se passer. D'accord, ok, je crois avoir compris. Je crois avoir compris, et tant que la fin des explications arrive. Ah tiens, ça m'a filé une pub. D'accord. Je pense avoir compris. Ah oui, voilà, ouais, voilà. Bien, ok, on est d'accord. Mais où en fait? Je comprends pas en fait, je comprends rien. Ils sont en train de soutenir qu'ils ont pris quelqu'un. D'accord? Ils ont pris le mec, mais lui il sort d'où en fait? Ok, c'est au milliard de host, d'accord. Et en plus, c'est le mec qui rentre. Moi, je comprends pas, en fait. Ok, alors. Alors, j'ai enfin le mot. Alors, je vais vous expliquer brièvement et assez rapidement, de manière succincte et brève. Et explicative. En fait, en gros, le joueur qui a joué là n'est pas inscrit.
En fait, son idée, il n'a pas été inscrit. Donc, le fait que son idée n'ait pas été inscrit, ça l'élimine automatiquement. Voilà, fin de l'histoire. Voilà, c'est bon. Le temps que les explications soient données, que les règles soient rappelées. Donc, c'est bon, tout va bien, tout est nickel, tout est OK. On peut reprendre le match. Donc c'est forfait immédiat. C'est bon, donc le score est bien marqué. Donc, la Juve et le Milan sont bien à égalité, 3 partout. On peut reprendre. C'est au Milan de Host. Et on continue. Voilà. Donc, désolé de vous avoir fait attendre un moment, le temps que tout se fasse. Sinon, voilà, il faut que tout se fasse correctement. Ok, pardon. Ça continue à discuter. J'essaie de suivre les deux. Hein, mais non mais moi j'aimerais savoir. Ah putain. Alors, allez, c'est parti, let's go. On peut y aller. Allez, on reprend la compétition 3 partout entre la Juventus et le Milan AC. Et Vincent, l'engagement, il y a un bref moment de pause. La VAR, le règlement, blablabla, etc. On a blablaté, c'est bon, tout le monde est d'accord, on peut y aller. Allez, c'est parti. Et 20% de tour en terre en plus. Je trouve que... Non, je vais pas parler de ça. Je vais garder ça pour moi. Parce que j'ai ma petite idée de compo team là qui peut être vraiment intéressante. Allez. Bizaki face à Rivaul. Alors, dribble. Ok. Ok, on passe en arrière. Ok. Oh, c'était quoi cette passe? C'était quoi cette passe bizarre? La récupération de Kals. Kals qui donne à Rivaul qui va immédiatement aller chercher Léo. Alors, pardon. Alors là, on va devoir danser un peu du côté de KS. Ok, c'est parti. On va danser un peu, on va aller chercher la Tourezza, ok. Est-ce qu'il va attendre passer en arrière? Non, ok. Tu dribbles ou pas? Dribble ou une 2? Dribble ou une 2? Full power. Ok, pas en dribble. Oh là là, la faute d'Ishizaki, carton jaune! Le carton jaune, il n'était pas dernier défenseur. Il s'en tire vraiment très 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 bien. Il s'en tire très bien. Nouveau carton jeu. Oh là là. Mais regardez. Ah oui, il passe de... Ah, de Rivaul. Alors. Ah ouais, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué là. Alors, comment on fait ça? Alors, est-ce que là, c'est intéressant là? Non? Ok, il va chercher Tsubi. Oh, bien joué! Oh, c'est bien joué, ça! Oh, c'est bien joué! Bien joué de la part de Vince. Ah, c'est dommage, ça, par contre. Ok.
Ok, full power. Bon, toi, interception, mais non, non, ça passe pas, ça passe pas. Il va où? Tu vas envoyer directement. On va aller chercher Espadas. On va aller chercher Espadas dans la surface. Ok, Espadas qui est libre. Il va pouvoir donner à Tsubasa. Alors, combien qu'il lui donne par contre? Soit Espadas, soit à Natureza. Non, il a choisi Natureza. Ok, Natureza qui est amorti. Est-ce qu'il va essayer de donner à Tsubi ou est-ce qu'il va essayer de cogner? Ok, c'est parti. Plus de full power. Renzo Wakabayashi. 76 face à 78 plus la outline. Le petit critique silver et l'arrêt de Genzo. L'arrêt de Genzo. Le zouk n'a pas été bon du côté de NCT. Ça repart tout de suite avec Misaki. Misaki qui choisit Léo. Pourquoi il a écarté le joueur? Bon, c'est pas grave. Attention à Ishizaki. Attention, il a un carton jaune. Attention, il devra plus faire de bêtises. Qui regarde, c'est pas les... Ah, ça doit être la box d'Adri, ça. Adri qui monte sa grande box. Quoi? Ah. D'accord. Un petit bisou à Mitch au passage. Voilà combien. Allez, je suis go face à Léo. Alors, comment on va tenter ça? Alors, là, il y a un truc intéressant à tenter. Oh là là, la faute d'essayer de passer par-dessus Léo. Léo qui a 100% d'auto-inter. Ok, c'est bien joué ça. C'est très bien joué de la part de Vince. Alors, tu peux lui faire hotline. Et après hotline, tu passes à Tsubi. Tsubi qui va le chercher. Non, ok. Ok, on va voir. On est à l'inter. Ok, c'est pas mal. Ok, pour l'instant, Kals n'intervient pas. Et pour l'instant, il n'est pas hors jeu. Attention, la Tourisa n'est pas hors jeu. Oh là là, pas de brain. Est-ce qu'il va envoyer direct à Natu ou pas? Oui, il va envoyer direct à Natu. La Tourisa 84. Plus l'outline, il est à 94 face à Kenzo Wakabayashi. Il n'est pas au full power, ce qui est dommage. Full power du côté de Kenzo. Et Kenzo qui est devant. Kenzo, attention, c'est l'arrêt de Gay. Oui, c'est l'arrêt de Kenzo. Pas de problème du côté de Kenzo Wakabayashi qui bloque bien ce ballon. Aidé de son poteau, il va pouvoir se relancer. Il va aller chercher Soda côté gauche. Ça repart donc de l'autre côté. Soda qui touche Rivaou, la profondeur pour aller chercher Natureza qui donne. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais Zizou est en jeu. C'est bien joué de la part de Chisaki, qui a fait le petit pas nécessaire pour pouvoir mettre Zizou en jeu. Qui était bien anticipé. Bien anticipé de sa part. Ça repart. Casse le ballon. Ok, c'est bien joué. On va trouver Roberto contre Rivaul. Ah, j'ai entendu un full power du côté de Vince, non? On a entendu un full power? Non, il n'y a pas de full power. Genzo! Oh, Genzo qui laisse passer son ballon! Oh là là, Genzo qui a présumé de ses forces, qui a voulu bloquer ce ballon à une main, mais la balle de la Tourisa était trop puissante, c'est rentré. C'est rentré contre toute attente, ça repart de l'autre côté avec Roberto. Il va falloir organiser très très vite 40e minute de jeu. Ok, on va aller chercher Tsubasa, non, on va aller chercher Zizou. Alors là, c'est compliqué. Là. 43e minute, c'est très très compliqué.
Parce que là, au sorti des deux duels, il va rester peut-être une seconde. Ouais, il va faire double dribble. Il va faire double dribble. Il va faire double dribble. Ouais, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Il était obligé d'intercepter. Il n'aura pas le temps. 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 Et c'est terminé. Et c'est terminé. La victoire de Vince. Vince qui fait un travail exceptionnel pour le moment. Qui permet au Milan AC de passer, de repasser devant. 4 à 3. C'est très, très, très serré. C'est serré, c'est serré. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de la nuit? Ok, NCTS. C'est leur dernier joueur. Hein. Ouais, c'est leur dernier joueur. Ça veut dire qu'Hérieux, il n'a pas joué. NCTS face à Vince. Alors il reste plus de joueurs. Il reste donc du côté de la Juve, c'est leur dernier joueur. Et du côté de Vince, il y a encore quelqu'un derrière. Ok, on est pas mal au niveau du timing. Ok, on est bon. On est bon. Au niveau timing, on est bien. Allez, c'est parti. Ok, je pense un peu. Ok. Alors, on tente la N2, on tente la passe. Double dribble. Ok, je tente la passe. Ok, nickel. Ok, l'interception de Natureza. Natureza qui récupère ses ballons au milieu de terrain. Natu qui va chercher Ibaoul. Et cette fois-ci qui est bloqué par Kals. Donc la passe. Ouh, j'ai vu un Critique Gold. Le Critique Gold. Le petit qui va dans RFP. Bon, c'est inutile, mais nickel. C'est pas de problème. Pas de problème. On a immédiatement la talonnade de Kals qui a immédiatement donné le ballon à Rivaul. Ok, Rivaul qui passe Natureza sans aucun problème. On va aller chercher directement. Ouh, d'accord. On a reculé Ishizaki. Et Ishizaki qui peut récupérer ce ballon. C'est très bien joué de sa part. La récupération d'Ishizaki. Il peut repartir de l'autre côté. Ishizaki qui donne le ballon à Misaki. Misaki face à Yuga. Ok, le drip de Misaki qui passe Yuga. On continue sur la progression de Nakals. Kals qui repasse par Shingo, qui repasse par Rivaul. Rivaul qui va chercher Rivaul. Et Shingo qui est venu se joindre au combat. Ok, full power du côté de Vince. Ça passe en drip. On passe le premier. On passe le deuxième. Ok, 100%, pas de problème pour Rivaul qui peut continuer sa progression. Rivaul qui va donner à Tsubi. Oui. Ok, c'est bien joué. Alors, est-ce qu'il y a des Shizaki là? Ah oui, il y a des Shizaki là. Alors, faudra faire attention. Faudra faire très très attention à Vince s'il tente la 1-2. Et à mon avis, c'est ce qu'il va faire. Full power du côté de NCTS. Et ça ne passe pas. Ça fait belle, ça retombe dans les pieds de Shingo. C'est pas terminé. Shingo tout seul qui a donné à Zizou. Zizou qui part qui fonce sur Misaki.
Ok. Alors, il peut lui donner là. Alors, il va falloir bien qu'il esquive. Ah, est-ce que ça va passer? Non. Et ça passe. Et ça passe. Et ça passe. On a réussi à griser Ishizaki. Il va pouvoir envoyer. Il n'y a pas le choix. C'est parti. Il est un peu excentré. 127 889. 127 889 de la part de Naturezza. Critique gold du côté de Morizaki. Est-ce que ça va suffire à faire le miracle? Morizaki, ça rentre. Et ça rentre. But de Naturezza. But de Naturezza. 1-0. 42e minute de jeu. Allez. Est-ce que c'était ça pour pouvoir remonter? C'est parti. Jingo. Jingo qui donne à Natu. Natu face à Léo Léo. Alors, 44e minute de jeu. Il n'y a pas grand chose à tenter. Ah, il tente la M2. Il tente la M2. On va voir ce que ça donne. Aïe, 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 c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il y avait un truc à tenter. Il y avait un truc à tenter, mais le temps était trop court. Le temps était trop court. Allez. Ah oui, il manquait une petite seconde. Il manquait une petite seconde pour pouvoir faire le duel. Allez, a priori, pas de changement. Ok, pas de changement à la mi-temps. Ça repart de l'autre côté. On repart. Misaki qui a le ballon. Misaki côté droit. Misaki qui donne à Zizou. Ok, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est pas mal. Le duel est compliqué. Roberto qui est parti loin. Ok, on top line 2, ça ne passe pas. L'interception de Tutu qui récupère le ballon, il va pouvoir se relancer. Tutu côté gauche, il arrive à Hull devant lui. Non, il repique dans l'axe, il va chercher Ishizaki. Ishizaki en défense en 3 qui est de la Shingo qui redonne à Rivaul. Rivaul qui passe par le Zizou pour aller chercher devant Roberto. Roberto qui redonne à Rivaul. Rivaul. Pour l'instant, Kass n'a absolument pas bougé. Il est tranquille. Rivaul face à Shingo. Tente la passe et ça passe et ça passe et ça, oh là là. Alors là, pour éviter d'avoir le même problème que là s'il a eu la dernière fois, là, interception, voilà, interception. Oh là là, ça passe encore une fois. On va aller chercher Tsubasa. Oh là 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 là, la chance de NCTS. Il n'y a pas eu de chargement. Genzo, et ça rentre. Légalisation de NCTS. 25e minute, tout reste à refaire pour Vince. Allez, ça engage, c'est parti. Avec Tsubasa. Tsubasa, ça lag un peu. Tsubasa qui a donné à Rivaul. Rivaul qui est pris par Misaki et par Kass. Ok, full power du côté de Vince. Maintenant que le drip, ça ne passe pas. La récupération de Misaki qui peut repartir de côté. Misaki qui donne à. Il n'est pas en jeu? Ouh, 84e minute de jeu. On est dans le money time. Il y a Tsubasa et il y a Naturezza. Alors attention. À qui le ballon va aller? Non, on l'a donné à Misaki. Misaki qui va vouloir se mettre le ballon tranquille pour envoyer. Alors attention. Ah oui, il n'y a pas d'auto-inter. Oh, c'est bien joué! Oh là là, comment c'est bien joué! C'est très bien anticipé de la part de Vince. C'est vraiment bien anticipé. Franchement, il n'y a rien à dire. Ah ouais, il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment très bien joué. On part en prolongation. Nous partons en prolongation, mesdames et messieurs. C'est vraiment bien joué. C'est vraiment bien joué. Et en fait, le plus drôle... Tu dis tu vas sauter le joueur, mais tu te dis pas ouais, si c'est. Tu vois la réflexion à avoir dans ce genre de truc là, tu te dis ouais,
tu vas griser, tu vas vouloir griser le joueur, le mec il n'aura pas le temps de faire la défense manuelle. Mais si, s'il veut anticiper sur ton truc, donc c'est l'anticipation de l'anticipation de l'anticipation, tu dis t'envoies son atout direct, tu fais le fou, tu vois, tu fais un coup de folie. C'est comme Brain ou pas Brain, ben voilà, en fait c'est ça. En fait bref, voilà. Donc, en tout cas, c'est très bien joué d'aborder. Franchement, chapeau. Allez, prolongation. Moi j'aime voir ça. Les trucs comme ça, j'aime ça. C'est du beau jeu. Ouh, Soda qui rentre. Soda et Genzo qui rentrent. Ça repart avec Rivaoul qui redonne à Shingo, qui donne à Tsubasa qui donne à Misaki. Ok, on part en arrière. Rivaoul. 10e minute. Alors tout le monde est bien recoupé derrière du côté de Vince. Oh là là, la faute. Oh, ce qu'il fallait pas faire. Il n'y a pas Zizou là-dedans? Oui. Il va où? Rivaoul qui va aller chercher le Natu. Ça va être compliqué d'aller chercher le Natu. Non, il va aller chercher Roberto. Oh là là, la défense manuelle qui n'a pas fonctionné. Oh, il s'est loupé. Il a loupé son autopasse. Attention, parce que là, il y a moyen que ça passe. Critique Gold. Et dans la tour de ça qui récupère ce ballon. L'interception éclair qui met fin à l'attaque de NCTS. On va partir pour la deuxième période de la prolongation. C'est parti. L'intensité est terrible. Ça repart avec l'engagement des Léo pour aller qui va aller chercher Zinedine Zidane qui rendait là. Tu passes ça. Ok. On est passé. On a Zizou face à Misaki. 300 000. Et c'est une dinguerie ça. Alors, qu'est-ce qui sera intéressant de faire? Ok, full power. 17% de chance de récupérer le ballon. Non, il ne la récupère pas. On va aller chercher directement. Ouh. Aïe. Ah, le double duel qui est pas bon. L'attaque est avortée. Et il la touche. C'est Genzo qui va pouvoir la récupérer facilement. 9e minute. Une attaque encore possible, ça va dépendre de la relance de Genzo Wakabayashi. Attention. Genzo qui relance, il va aller chercher directement Rivaoul. Rivaoul. Alors ça passe pas, c'est trop loin ça. C'est beaucoup trop loin. Et on part directement au pénalty. C'était un match difficile. Le Baoul, ça rentre. Ouh, l'arrêt de Genzo. Natureza et l'arrêt de Genzo encore. Alors là, Vince doit marquer. Et si NCTS l'arrête, il y a l'avantage. Et ça rentre. Non, vous avez laissé jouer les bottes. Oh, vous êtes pas cool, les mecs. Et Genzo qui arrête ce ballon. Pour l'instant, l'avantage est du côté de Vince. Et ça rentre. Tu passes ça face à Genzo, tu passes ça tout droit. Non, ok, contre-pied. Franchement, tu laisses jouer les bottes à ce moment-là. Oh, hé, hey, mec, vous avez. Moi, le bot, j'ai. Oh, le poteau, et c'est terminé. C'est la victoire de Vince. Vince qui a fait un travail exceptionnel. On va avoir droit à du miam en finale.
C'est pas le bot là quand c'est. Ah bon, t'es sûr? Quand c'est ultra rapide, c'est pas le bot. Mais une fois que c'est passé en auto, ça va vite, il me semble, Kourou, non? Bon, bref. Mais dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, c'est bien joué. Très, très, très belle remontée de Vince qui a fait ce que Migurbu a fait de l'autre côté. Côté quart de finale contre Arsenal. Donc en tout cas, on va avoir droit à une belle finale entre l'Inter. C'est tout le temps 10 secondes? Ça passe pas en auto? Oh, vas-y. Bon, je te crois sur parole. Pas de problème. Ouais, donc on va avoir droit à une belle finale entre l'Inter Miami et le Milan AC. Donc ça fait Inter Milan. Donc voilà, bref. Voilà, ça c'était pour la petite passe. Bon. Donc dans tous les cas, on se retrouve bientôt. Normalement, on se retrouve d'ici le 28. Donc je vous laisse, je vous ferai ma petite surprise en cours de route. Hein. Donc voilà. Donc on se retrouve le 28 dans la journée. Je ne sais pas encore à quelle heure, mais ce sera sûrement, on va commencer dans la journée. C'est parce que sortirai du taf. Donc voilà. Alors, mais on va commencer dans la journée. Normalement, relativement tôt, ça va dépendre. Bon, ça va dépendre. Le commencement ne dépend pas de moi. Mais on va commencer, on va faire ça dans la journée. Voilà. Donc dans tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve bientôt le 28 pour ma petite surprise et après sûrement pour peut-être pour la finale si c'est moi qui l'explique. Pour la finale de la Rose Super League bien sûr. Voilà. Ah j'ai oublié d'afficher le truc. Bon c'est pas grave. Ah mais non c'est vrai, je suis bête. Voilà. Donc bonne soirée à vous. Voilà. Et à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis voilà. Voilà. Voilà, donc ouais, bonne soirée à vous et à plus. Allez, ciao, ciao. This part is what we